Alors que le variant Delta se propage, les experts médicaux avertissent du risque chez les jeunes enfants. Les enfants n'ont pas été les principales sources de transmission lors des premières vagues de la pandémie, mais les experts déclarent qu'ils sont soumis à un risque plus élevé de l'infection au Delta. Une recherche menée au Royaume-Uni montre que le taux de positivité chez les enfants âgés de 5 à 12 ans et les adultes de 18 à 24 ans est de 5 fois supérieur à ceux âgés de 65 ans et plus. Les hospitalisations dans le pays chez les enfants en raison du variant Delta ont augmenté et les taux de vaccination chez les plus jeunes sont plus faibles que les adultes âgés.